qui cherche à rassurer le peuple de Guinée. Une année, quelques mois, l'échec est total partout, ça se voit. L'échec total. Donc, vous savez, les bandits, ils veulent encore nous endormir. Vous avez vu un moment donné ici, la communication sur les chantiers partout, ils sont fauchés parce qu'il n'y a plus d'argent. Kobri Mouna, ils ne peuvent pas recruter. Donc, il faut changer de stratégie. Et c'est quoi? C'est de trouver des cobayes. Quand je dis des cobayes, parce que chaque jour, on critique maintenant les médias, les menaces partout. Il faut chercher maintenant à se racheter. Maintenant, vous allez voir les journalistes du Bar Café et autres journalistes pro CNRD dire, ah, c'est pas les gens seulement du RPZ, vous voyez, même les gens même de son gouvernement. Ah ouais, c'est pourquoi d'autres seront leurs cobayes, comme les Mandian Sidibé et même Bala Samoura est sur cette liste. Mais on est en train de voir les Sadiba et autres là aussi à faire des armes. Ça dit, c'est pour dire, c'est pas les anciens du RPG, c'est pas des anciens, voilà. Mais je vous dis, CNRD, échec Nara, c'est fini. Vous n'allez plus avoir cette confiance, c'est fini. Le peuple, on est fatigué de vous. Donc, votre plan que vous êtes en train de mettre déjà, nous sommes déjà au courant. Nous, nous sommes dans vos trucs là-bas, au cœur de vos décisions. Eh, on ne veut pas de vous. Même vous voyez dans leur jeu, pour tromper le peuple, les blessés des manifestations, tellement... Je vous dis, ces gens-là, c'est des fanfarons. Hein. C'est des bambins. On a affaire à des enfants, les cœurs. Maintenant, ils vont payer parce que les gens sont dans la galère. C'est ça le CNRD. Je vous ai dit comment ils ont appauvri des commerçants, appauvri des politiques. Parce que c'est ça, appauvrir les gens, c'est ça leur méthode. Et après, c'est pour dire c'est eux qui apportent le bonheur. C'est vous rien du CNRD. Des blessés de leur manifestation et autres, ils vont les approcher aujourd'hui pour leur donner de l'argent. Pour dire, de témoigner, pour dire aucun politicien. D'abord, on vous rappelle que le combat, c'est pour soi-même. Moi, Damaro, qui vous parle aujourd'hui, ma vie menacée, jusqu'à payer des gens, payer quelqu'un avec qui j'habitais, tout ça là, pour chercher moi à me faire tomber. D'abord, le combat, c'est moi-même. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous pensez que ces gens qui sortent là, c'est pour avoir des postes de ministre? Ils le font parce qu'ils veulent que ce pays-là avance. Mais bande de vauriens, bande de zéro que vous êtes, vous pensez que ce cinéma que vous, en vous servant de la télévision nationale, des gens sortent pour quoi? Pour dire ça ne va pas. Et vous tirez sur ces mêmes personnes, manipulez ces gens pour venir les mettre devant les médias, que vous allez endormir les consciences, ou vous allez décourager certains. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Pourquoi Mamadi, lui, il a pris les armes pour aller attaquer la présidence? Mais c'est quand je dis vous êtes des vauriens, des voyous, c'est ça? Il y a eu combien de morts? Les éléments des forces spéciales. Il y a eu plus d'éléments dans les éléments des forces spéciales que la garde présidentielle. N'eût été les complices, les Namouri, ce coup d'État avait déjà échoué les premières heures. Parce qu'ils ont été matés, bien matés. Beaucoup d'éléments des forces spéciales. C'est pourquoi Doumbouya a peur de montrer le corps. Il y a eu beaucoup de morts au niveau des forces spéciales. Mais le bandit ne va pas donner les chiffres. Et c'est pourquoi au début, vous avez vu des gendarmes, des gens proches de Bala qu'on avait mis dans les tenues des forces spéciales pour augmenter, pour tromper. Mais après, ils n'ont pas du sou, ils n'ont pas presque enlevé tout. Ces gens sont dans la manipulation. Je vous dis, on a affaire à des menteurs, à des voleurs, à des gens qui n'ont pas honte.
C'est pourquoi ils vont payer ces blessés aujourd'hui, montrer. On dirait des enfants. Sinon, pourquoi le bandit ne montre pas les victimes du 5 septembre, ceux qui sont tombés? Pourquoi ils ne montrent pas les corps? Ils viennent se flanquer. Voilà les blessés des manifestations. Vous voyez, aucun politique, bande de vauriens. Pourquoi vous ne laissez pas les politiques tranquilles? Mais moi, je vous dis, mais vous êtes des bambins. Vous empêchez les politiques de faire leurs activités. Et vous, les voyous, des vauriens qui êtes à la tête aujourd'hui, c'est faire du cinéma. C'est les politiques qui ont donné l'ordre de tirer. Ou le voyou qui est sorti la dernière fois avec les armes à Bambeto, c'est les politiques qui les ont donné. Où vous avez vu les politiques, les politiciens prendre des armes et donner à des manifestants, bande de voyous que vous êtes. Vous pensez que c'est vous qui avez le monopole de la vérité? Vous pensez qu'à travers vos cinémas, vos pubs, des trucs débiles pareils, vous allez endormir les consciences? C'est vous le problème. Vous n'êtes pas des politiques. Vous n'êtes que des simples voyous, des traîtres, des marionnettes. Comme Mamadou Doumbouya. Vous savez, chaque chose a son temps. Vous savez, quand il y a eu le coup d'État, c'est pourquoi, moi, quand j'ai analysé, j'ai étudié, j'ai fait les choses. Sinon, il n'y avait pas sur les réseaux sociaux un activiste ou un blogueur opposé à l'UFDG que moi, Damaro. Ils peuvent témoigner, les militants, les militants de l'UFDG peuvent témoigner. Chaque jour, je pouvais faire 2-3 vidéos sur UFDG. Mais quand il y a eu le coup d'État, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai dit que moi, à partir de maintenant, je ne suis pas opposé à Seloudal. Ils le savent. Je les ai vus applaudir. Je savais qu'on les trompait. C'est pourquoi moi, Damaro, je ne suis pas rentré dans le jeu de certains pour dire je vais m'attaquer à l'UFDG. J'ai dit l'UFDG n'est pas le problème. C'est normal, ils sont dans leur coup. Dans tous les pays, pour qu'il y ait la démocratie, vraiment, il faut un combat. Ils étaient dans ça. Il y avait des hauts, il y avait des bas, comme le pouvoir aussi. Il y avait des hauts, il y avait des bas. Donc moi, j'avais compris. Le changement que eux ils voulaient, ce n'était pas ça. Moi, je savais qu'ils étaient manipulés. Donc, après tout, au début, je les ai dit, moi, ce que j'ai dit, la vérité va triompher. J'ai dit, Inch'Allah, la vérité va triompher. Regardez toutes mes vidéos, je l'avais toujours dit. J'ai dit, Inch'Allah, la vérité va triompher. Mais aujourd'hui, l'affaire de complot ou des Occidentaux. Vous avez vu ici un général qu'un congressman était en train d'interroger, du soutien des militaires à la junte. Vous avez vu les Français, le rôle. Même aujourd'hui, la CEDEAO, on parle. Même autant. La CEDEAO, aujourd'hui, manipulée par la France. Si vous voyez que les sanctions, on a des chefs d'État africains, des vraies marionnettes de la France. Donc si vous voyez que les décisions, on ne les applique pas, même s'il y a certains parmi des leaders qui prennent des positions, mais on vient étouffer contre les bandits du CNRD. Parce que c'est ce que veut la France. Le jour du coup d'État, vous avez tous vu ces images. Ces images. Aujourd'hui, vous voyez ces images. Vous voyez bien des images. Lorsqu'ils ont arrêté le président Alpha Condé, ils ont été à Bambeto, tout ça. Mais aujourd'hui, on peut parler de ces images aujourd'hui. Et même ceux qui ont applaudi peuvent comprendre que non, il y avait de la manipulation, que les gens ont été manipulés. Vous voyez bien ces images. Vous voyez,
la manipulation. Vous avez vu ça? Pour vous dire que les gens pensaient que c'était pour le combat de la démocratie. Non. Ils ont profité de l'opposition guinéenne, du peuple de Guinée, pour légitimer leur coup d'État. Vous avez vu, lors de, je crois, d'un forum économique en Côte d'Ivoire, le président Alpha Condé qui avait pris la parole devant ses amis et qui avait dit qu'il est temps de couper le cordon ombilical avec la France. Et les Français n'ont pas digéré. Et le président Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, avait même rappelé le président Alpha Condé que nous sommes en direct parce que ça les a dépassés. Ça, le président Alpha Condé a dit quelque chose qui a dérangé. Le président Ouattara a rappelé pour ne pas que le président Alpha Condé continue dedans. Il dit, nous sommes en direct. Et le président Alpha Condé réplique, j'assume, il fallait voir des ovations dans la salle. Le peuple, les Africains, tout le monde était fier de la réaction du président Alpha Condé. Il dit, j'assume mes propos. Et voilà les Français maintenant. Et ils avaient déjà un pion qui était là. Un ancien légionnaire. Femme française. Et aussi des officiers malhonnêtes. Ils ont bien préparé le coup. Ils ont bien préparé le coup. Pour faire le coup d'État. Contre le président Alpha Condé. Mais tous les pions. Des puissances. Parce que le président Alpha Condé devenait gênant. L'affaire de Monnaie. Écho. Celui qui avait... Il y a eu beaucoup de revendications. Le président Alpha Condé n'a pas joué. Il n'a pas vite tombé dans leur piège. Et donc toujours, le président Alpha Condé devenait gênant. Il devenait gênant pour tout ça. Il fallait l'éliminer. Par tous les moyens. Et ils se sont servis de leur ancien produit qui avait été rejeté. Doumbouya. Pour faire ce coup au président Alpha Condé. Ils ont profité, oui, la pression de l'opposition, ainsi de suite. Mais vous voyez aujourd'hui, si réellement, comme le bandit, le marionnette se flanquait le 5 septembre avec un discours bidon pour dire troisième mandat, est-ce qu'il serait aujourd'hui en contradiction avec ceux qui étaient opposés au troisième mandat, les Kunduno, les Foniki Mangi, les Ibrahim Diallo, les Seloudale, les Sidya Touré, tous ces gens-là. Est-ce que le voyou, le bandit serait en opposition avec ces gens? Non. C'est pourquoi je vous disais que la vérité allait triompher. Et des gens, des hommes d'affaires, franco-juifs, comme Bernice Taimet, dans l'affaire de Simandou, allez-y regarder mes premières vidéos, quand il y a eu le coup d'État, j'ai dit l'affaire de Simandou va être un enjeu aussi. Parce que Bernice Taimet avait menacé le président Alpha Condé s'il le prenait en justice, qui n'allait pas faire 6 mois à l'époque au pouvoir. Le président avait fait plus de 6 mois après, mais il n'a pas laissé. Donc on a vu ces mêmes personnes-là, des proches faire des va-et-vient avec ces voyous qui sont là aujourd'hui, qui ont menacé le président Alpha Condé qui ne fera pas 6 mois. Parce que grâce au président Alpha Condé, Simandou était déjà vendu. C'est-à-dire quand je vois certains Guinéens inconscients parler, des vouriers parler, ils ne savent pas ce que le monsieur a fait pour la Guinée. Simandou était vendu à 100 et quelques millions de dollars. On ne pouvait même pas faire même 150 km de route dedans. Le président est venu. Révision des contrats. Grâce à ses relations. C'est pourquoi je dis, n'eût été les relations du président Alpha Condé. Quiconque ne pouvait pas affronter ces gens-là. Ces lobbies-là. Sauf le président Alpha Condé. Grâce à ses relations. Ils ont poursuivi Bernice Taimet.
si Mandou est revenu à la Guinée. Est-ce que ça, c'est dans les poches du fils du président Alpha Condé ou de sa famille? Mais le Guinéen est inconscient, certains sont inconscients, certains sont méchants, des voyous, des vagabonds à l'étranger aujourd'hui, vous les entendez parler dans les médias. Et même ça, ils ont appelé Alain Foucault, une manière encore de rabaisser le président Alpha Condé, tout l'effort qu'il a fourni dans l'affaire de Simandou, qu'ils ont donné 700 ou bien 800 millions, qu'ils ne savent même pas où c'est parti, des voyous comme ça, comment on peut venir se flanquer dans des médias, faire des montages que vous allez rabaisser. On peut tout reprocher au président Alpha Condé, dire tout ce qu'on veut, mais l'affaire d'argent. Tous ses collaborateurs, vous allez parler. Tout ce qu'ils voulaient le bonheur de ce pays. Mais on a vu des montages faire venir les Alain Foucault. Si le président Alpha Condé était quelqu'un, un vendu comme Mamadou Doumbouya, il n'allait pas attaquer le franco-juif. Alain Foucault et l'autre là, Bernice Taimet. Il allait laisser exploiter Simandou. Mais c'est pour le bien des Guinéens futurs. 84 ans. Qu'est-ce qu'il a gagné dans l'argent de Simandou, des projets à long terme? Mais il a fait ça pour le bonheur des Guinéens. Mais les malhonnêtes ont voulu diaboliser, faire comme si le président Alpha Condé n'avait rien fait dans l'affaire de Simandou. Qu'est-ce que les bandits ont fait? Ils ont changé dans ça. Ces voyous qui sont là. Donc aujourd'hui, le complot de ces occidentaux, de ces voyous-là, et ça est là devant tout le monde maintenant. Les gens ont compris de quoi le président Alpha Condé a été victime. Si vous voyez que les chefs d'État africains, des gens, je l'aime bien le président Ouattara, n'agissent pas, ou les Macky Sall, c'est parce que la France... Parce que ces chefs d'État dépendent de la France. Ils ne peuvent pas s'opposer ou défendre leurs frères. Le président Alpha Condé, ils ne peuvent pas le défendre. Sinon, ils vont les défaire encore. Eux, ils vont les défaire. Il faut faire le jeu. Il faut soutenir, même si pas ouvertement ces voyous. Tout le monde voit aujourd'hui comment le peuple de Guinée souffre. Vous saviez, avant... Les Guinéens, je n'ai pas besoin de témoigner cela. Allez-y dans les quartiers à Dakar, des quartiers comme les Wakam. Vous partiez en Côte d'Ivoire, dans plusieurs endroits. Allez-y à Séguéla, allez-y à Dalewa, allez-y à Djokoué, allez-y en Côte d'Ivoire, à San Pedro. Allez-y à Abidjan, il y a des quartiers où on dit Bramakone, des Guinéens. Les deux plateaux, tous ces gens, Feu Bamamadou, tout ce que ces Guinéens-là ont fait là-bas. Le Guinéen fuyait son pays, allait ailleurs. Mais au temps du président Alpha Condé, beaucoup de diasporas sont rentrés, réalisés. Beaucoup de diasporas. C'est pas comme le voyou qui a fait le coup d'État, qui a appelé des diasporas rentrés. Au temps du président Alpha Condé, c'était des intellectuels. Des hommes capables de transformer la société. Mais pas des vagabonds, des voyous assis dans des cafés. Des voyous, des fainéants. Que le bandit a appelé comme ses amis les Djiba. Lui, c'est des voyous qu'il a appelé. C'est pourquoi rien ne va changer. Parce que ce n'est pas des gens qui étaient en train de travailler ici ou qui avaient un savoir-faire, mais des voyous qui étaient assis ici dans les cafés. Le matin seulement, ils sont pressés pour sortir, aller s'asseoir. Quand vous les voyez en veste, ils disent c'est mon sortant de Sorbonne ou bien de Harvard. Mais des voyous qui ont abandonné l'école en cours de route et qui ont monté des dossiers. Falsifier des dossiers pour aller donner à un tonneau vide qui est là. Un vaurien. Tu vas modifier. Le vaurien, il est là, il regarde seulement. Qu'est-ce qu'il comprend dedans? Tu dis, non, tu es le sauveur, c'est fini. Et le bandit, il valide. Donc, vous voyez maintenant, on vous dit, ouvrez vos yeux. Les bandits... Ils veulent essayer encore de nous endormir. Vous voyez les réseaux sociaux aujourd'hui attaqués parce que tout le monde est fatigué. Remarquez au début du coup d'État. Moi, c'est pourquoi je suis fier de Lincoln, hein. Les Habib Marwan. Tous ces journalistes aujourd'hui, les gens de Sabari, Africa Guinée, tous ces journalistes, tous ces médias qui dénoncent ces gens. Mais regardez,
des journalistes voyous comme le Bar Café, au temps du président Fakonde. Ils étaient là à gueuler avec leur émission. Manque de respect au ministre. Les 11 ans du président Fakonde, des insultes, manque de respect. Mais est-ce que vous entendez ces voyous appeler les ministres de Doumbouya, les poser des questions ou critiquer certaines choses? Ces journalistes voyous du Bar Café ne le feront pas. Donc aujourd'hui, ils sont exposés partout. Les réseaux sociaux, vous savez, c'est unanime. Au début, c'était, voilà, l'opposition, vous allez dire les activistes proches de l'UFDG, voilà, les défendaient. Bon, aujourd'hui, nous sommes où? Quand on dit des vrais activistes, c'est qui? Tout le monde tape sur eux, malgré la corruption. Oh, tout le monde. Ceux qui viennent se flanquer pour dire que Damaro travaille pas, Damaro tant, tant, tant. Mais qui est mieux parmi eux par rapport à Damaro? Qui parmi ces gens-là est mieux que Damaro? Ou par rapport aux autres activistes? Quand des fainéants viennent se flanquer et traiter des autres qui ne font rien, parce qu'on dénonce ces voyous, ces bandits du CNRD. Donc, vu tout ça, là, il faut couper. D'abord, ils avaient déjà réduit les débits de connexion. Ils payaient des Indiens, les Israéliens, pour attaquer nos comptes. Il y a longtemps, je vous ai dit ça. Ben, aujourd'hui, regardez encore. Ils sont dans la peur. Donc, il faut ces manipulations, payer des blessés pour venir parler. Et moi, affaire de politique, je vais plus maintenant. Je me suis battu pour tel. C'est rentré, vous voyez. C'est là que je dis que ils sont limités dans leur tête. On a affaire à des bambins. Donc, si vous pensez que vous allez endormir les Guinéens ou aujourd'hui les manifestations, on va arrêter. Non. Vous, vous avez pris les armes contre un président pour dire que troisième mandat. Et si le peuple, sans prendre les armes, sort avec les mains vides pour dire nous voulons le changement, nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. Ah, mais c'est que vous allez nous faire descendre tous. Nous n'allons pas arrêter. C'est vous qui avez pris les armes pour dire que le président Fakonde n'était pas bon. Ah ouais, si nous, nous prenons que la parole et d'autres, les mains vides pour venir demander, pour venir vous dénoncer, et là, vous vous trompez. Hein. Le cinéma que vous êtes en train de mettre en marche, là, ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas intimider ou tromper les Guinéens. Il faut que le CNRD dégage. Il faut que les narcos dégagent. Et c'est ça la vérité. Donc, merci la famille. J'espère que vous allez bien. Et Inch'Allah, demain, on va se reprendre. Et ne tombez pas dans le piège du CNRD. S'ils veulent, ils n'ont qu'à sacrifier les traites comme ils veulent le faire. Parce qu'aujourd'hui, ils sont coincés. Ils ne savent plus quoi faire. Comment chercher cette confiance auprès de la population? Comment rassurer la population? Comment calmer la population? Les bandits sont dans cette logique aujourd'hui. Donc c'est pourquoi des mendiants Sidibé seront des cobayes. Et même Bala Samoura comme gros cobaye. Et comme Sadiba était l'un de leurs cobayes. Et comme les autres là. Donc, ils vont chercher beaucoup de cobayes actuellement pour chercher à rassurer les Guinéens. Mais ça ne marchera pas. Donc, merci.